Shalom, 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 chers téléspectateurs, bienvenue chez vous. To pamboli nzambe pe to komisi nzambe wa pesi biso lisusu libaku ya kozala na ba petit écran na bino. Wa bino Josué Bolowa na katina présentation, Jean-Marie Poupa na katina caméra coordination na Isaac Mabaka email image. Oyo va permettre biso to ya na banda ko na bino. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés, chers enfants de Dieu. Homme de Dieu, serviteur du Seigneur, c'est votre émission une heure avec les prophètes. Nzamba pambola bino bolingi ko rejoindre biso lisusu na kati émission. Oyo nzamba pambola pe équipe technique mobimba ya chaîne à télévision. Oyo apesi biso libaku yako kota na bandako na bino. Je crois que vous êtes toujours béni na kati na émission oyo. Nous recevons encore dans cette émission l'homme de Dieu, le prophète Joël Le Palmier. Vous savez, la vision de l'apôtre Sikatinda a été mal compris. Premièrement, la mboka Kisasa. C'était vraiment mal compris. Et les gens pensaient, quand l'apôtre disait que le Dieu, c'est le Dieu que je vous parle, c'est le Dieu de Sikatinda. Et les gens croyaient que l'apôtre disait que c'est lui qui est Dieu. Donc l'apôtre de Dieu, c'était pas lui qui était Dieu, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a choisi un homme qui s'appelle Sikatinda et qui s'est décidé d'être appelé le Dieu de son nom. Maman, nde azaki na papa. Tant papa koufi. Izaki maman nde fallait sikolo a mes ma vision. Et il est arrivé que maman santé zaki bien te. Maman a dit que Dieu lui a confirmé, Dieu lui a parlé, que yé moya sa msala les athées. Nzamba confirma qui est en bazagi na papa, mais papa qui est ce qu'on nzamba lo biso souyete. Ah nzambe na biso vraiment. Mais si nous autres les a bien te. Maman, neti prophète, c'est lui qui était la troisième personne de l'église. Nzamba lo biso tsiki place et pas ya. Prophète. C'est toujours le Dieu de la Sikatinda qui a dit ça. Dans ma lobby, tout ce qui place et pas ya prophète. C'est toujours le Dieu de la Sikatinda qui a dit ça. Bon. Tout ce qui place et pas ya prophète. Prophète, il n'est pas à Nini. Aujourd'hui, dans l'église des dieux vivants, il y a des slogans qu'on dit le Dieu de deuxième alliance. C'est-à-dire le Dieu de la deuxième alliance. J'aimerais que ceux qui nous ont dit au 8 ans, au Tuni, Basali, au Bazana, dans la quatrième église du Dieu vivant, ils seront vraiment. Ils t'expliqueront à long à large. Deuxième alliance. Mais vous avez quand même une information, au prophète Joël. L'apôtre est mort et Dieu maintenant s'appelle le Dieu de Néma. Comme il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dans les lois, je moi je me limite là. Ceux qui ont besoin d'informations information belle, ou qu'ils auront la source. Mais quand le prophète a dit ça, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu les miracles, nous avons vu les gens se repentir. Et nous avons vu, il a mené la vision de l'église dans la dimension Moussousou. Gloire à Dieu, Nzamba Pamboulaye. C'est aussi une paix pour moi, vous savez. C'est aussi un paix pour moi parce que Azomema Mukumba Oeza, Mukumba Oeza Kilo. Oui, mais prophète, ça c'est une heure avec le prophète. Le prophète a mon akapé à talaka ainsi de suite. Parce que tu vois, on est privilégié parce que l'émission Zoé aide les téléspectateurs belé à découvrir ce que c'est l'église du Dieu vivant Nzambe Sikatinda. Parce que ça moko ya bana na bango. Oh, sur le commun Nzambe Néma. Donc les gens ne prient plus. Na kombo ya Nzambe Sikatinda, comme na kombo ya Nzambe Néma. Est-ce que c'est biblique et puis pourquoi Nzambe Sikatinda. Et bazo bon ne l'ango pas évangéliste Bumba, c'est quoi comme apôtre. Nangaba, on prie le Dieu de Sikatinda. Et à Lac Moero 140, là où il y a l'homme de Dieu, le prophète Néma que je respecte, là-bas c'est maintenant deuxième phase du royaume, deuxième alliance. Le Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu il est le Dieu des vivants. Et le Dieu des vivants. L'homme de Dieu est vivant, il est son Dieu maintenant. Dieu aussi lui a confirmé la vision.
La soupe, c'est belle. Parce qu'il y a l'église du Dieu vivant qui est ici en Afrique du Sud aussi. Et dans la Yoville. Donc, moi, ma précision, Kuna. Mais on est là. On est là. On reconnaît la source. Là où nous sortons. Nous sommes à ma gauche, droite. Pour moi, Etalinga été. On a une base. Nayebi et logo ni nga la simbi. 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 Et logo nga la simba ki. C'est ce qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Quand le prophète est rentré à Kin, église est koti mobulu, 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 mobulu. Église est koti mobulu dans sens nini. Que o aza mwana ndeni ya kokamba biso auti ba poto na ye aye awa mama ko maboy et y avait l'homme qu'on appelait papa Kulutu, papa Biuomba. Lui c'est lui qui avait prêché la porte de Dieu la parole parce que Toma ya Nzambe papa na biso akufa azaki munganga na mama Yembo et quand Dieu lui a apparu, Dieu lui a dit tika musalo sa na mama Yembo. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est tellement intéressant que c'est ça même l'objectif de notre émission, de vous faire découvrir, vous informer, puis vous former. C'est une heure avec les prophètes. On va souffler un peu, demander à la région de balancer quelque chose. Et après cela, nous allons retourner, demander un peu au prophète Joël la relation qu'il a, parce qu'il a commencé une œuvre ici en Afrique du Sud. Et la vision est que l'œuvre puisse aller de l'avant, parce que la Bible déclare qu'il faut faire des toutes les nations, les disciples. Mais s'il y a des questions à poser, des commentaires à faire, vous êtes toujours la bienvenue. Il y a qu'au poster Bissot, il y a qu'au commenter Bissot, SMS Bissot. Prophète Aza toujours disponible, il y a qu'au répondre à vos préoccupations à Bino. Contactez Bissot, Benyorez, à l'écran à Bino. Commentez sur notre Facebook, à José Boloa, Bissikanini, toko discuter sur Otozolobla Awa. Toko zong après les maoïs. Restez toujours branchés. Nzamba Pambola Bino. Concernant l'état hiérarchie, message ne recopé ça, conseil ne recopé ça, n'a pas open dans ma bengi, n'a pas de ministère, mais je reconnaître quand même, pas père spirituel n'a pas de bon, peut pas dans la 4ème, pas père spirituel n'a pas de mais pas dans benga melo, bimi kaka nengo wana, conseil ne recopé ça, bango n'a pas de y'a mobisoto, kabana n'a pas de biso. Papa, je veux mon idée n'a pas de ma casse, vraiment, je vais continuer vraiment parce que il y a beaucoup de choses à parler. La question Tuninga 5 est vraiment primordiale. Mutunyo so oyo Nzambe atelemisi na tangwa lelo oyo azo reconnaître ba koloté papa okene boso. Bon les accorder na opesa ba tunyo. Ozomona. Toi qui entends la Bible, bah vieux prophète, peu bazali. Bah la Bible, bazali. Azo peso conseil, mais na mutema. Azo ina yo panzali bali ayo. On a nan expérience na maman gambe. Na banyo kala papa. Ozomona. Na banyo kala vraiment. Donc nous devons respecter nos pères spirituels. Quelqu'un qui respecte son père spirituel, c'est quelqu'un qui a autant de garde fou. Ce qui est le papa, il y a un peu parce que c'est détaché. Il y a un papa qui a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et le prophète Joël, aujourd'hui, il est en train de se rattraper. Ouais Joël, avant la relation, la malame mingi n'a pas collé bien, surtout dans la ville, na mboka so Congo, partout au monde, avant la relation malame, parce que ils sont là, ils sont en train même de soutenir la vie. Sont dans la relation, ma belle maman, ben gamba soutenir vie en te, ben gamba nous changer les bacal. Donc parce que lui qui est maman, nzambo bacal peut comment? Vraiment. Donc papa, donc nous devons respecter. Nous devons respecter. C'est comme la Bible déclare. Un père spirituel est plus que ton père du corps charnel. Parce que c'est lui. Il n'a qu'au fond de l'onde là.
yena ko fond le même ya mapamboli o vemona lelo o ngana lo baka ete Dieu m'a choisi pour lui servir. Dieu m'a établi prophète pour annoncer sa bonne nouvelle. Na ko lingaka toujours mutoko à l'étoile d'Afrique. Parce que ça sera une bénédiction. Quand je parle de l'Afrique, je parle du prophète vraiment. Tout le monde. Nous l'ignorons toujours. Nous avons fait l'effort d'éviter. Et il y a un souci. Il y a un cas. On est aux bénédictions.